Salut tout le monde, c'est Rony pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc cette fois-ci, ça sera sur ma chaîne normale, ma chaîne personnelle RonnyWWE62. Certains n'ont certainement pas remarqué, on m'a proposé de rejoindre une chaîne, une très grande chaîne de vidéos reviews, donc de critiques de masques, de bustes, de costumes. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a des unboxings. Enfin, c'est une très très grande chaîne avec deux grands cinéastes quand même. Bref, donc vous aurez les liens dans la description. Merci à tous ceux qui suivent encore ScreenWeb, mais sachez que l'ouverture sur le nouveau serveur est très très proche. Et j'espère que vous inviterez beaucoup d'entre vos amis pour parler sur le forum ensemble. Et puis j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bref, aujourd'hui nous sommes le 4 mars. Et ce matin, en allant dans ma boîte aux lettres, j'ai vu ça. Ouh, excusez-moi pour le carrel. Donc j'ai vu ça. Deux colis, d'un seul coup. Alors moi je me suis dit, waouh, j'ai reçu mon Ghostface Scream 2010 Mask. Donc le Ghostface, le masque a été créé en 2010 pour la promotion de Scream 4, dont le lien sera disponible si vous cliquez dans le genre de cadre ici, là. D'accord? Il y aura un cadre ici où vous pourrez cliquer. Après le Ghostface Classic Mask que j'ai commandé, j'avais commandé donc deux trucs en plus, deux choses. Et j'ai recommandé quelque chose que je ne vous dirai pas, c'est toujours une surprise, et ça sera une unboxing et review, mais pas pour ceci. Pour ceci, ça va être juste un unboxing et vous présenter un petit peu l'objet. D'accord? On va attaquer l'unboxing, on va commencer par le plus petit. Qui, selon moi, est peut-être le meilleur, donc non. On va commencer par le grand colis avec alors. Attention parce que c'est quand même assez bien visé. Voilà. Désolé pour le bruit. Alors attention, j'essaie de bien cadrer à la caméra. Oh, tadam! Le Scream Scarecrow Mask. Wow, il est magnifique. Il est vraiment magnifique, je vais le faire voir à ma copine qui est avec moi. Ah, il est magnifique, vous verrez le tissu, c'est énorme. Donc je vais vous le faire voir d'un peu plus près. Voilà un petit peu à quoi ressemble le tissu. Ah oui, il y a la focus. Voilà. Excusez-moi. Donc là derrière, c'est vraiment du tissu, vraiment robuste, du tissu vraiment à l'ancienne. Avec le focus. Voilà. Scarecrow Mask, qui a été créé donc pour le soi-disant Scream 4, hein, quand il y a eu le zombie. Alors, juste à l'intérieur. Voilà, donc là, comme vous pouvez le remarquer, donc les yeux, et là, il y a une genre de protection qui est collée pour la tête apparemment. Super cool, parce que le tissu est vraiment robuste. Hein. Et surtout, la matière du masque, je sais pas si vous allez entendre. J'espère que le Scarecrow Mask vous a plu, de toute façon je vous ferai voir les deux colis juste après. Passons certainement au meilleur colis. Petit, hein, mais je pense qu'il va vous plaire. Mais... Oh my god. Attention, mes amis. Waouh. Je sais pas si vous avez bien remarqué, mais... Voilà, là vous voyez mieux. Il est... Putain, je suis sans mots, il est magnifique. Magnifique, regardez-moi ça. C'est génial. Donc bien évidemment, juste après, je vais le porter et faire une genre de petite vidéo. Donc voilà, donc c'est juste sur une face. Malheureusement, derrière il n'y a rien. Mais bon, c'est pas trop grave. Et là, franchement, regardez, avec le bug 120 là. Ça, pour les prochaines vidéos, ça va être bon. Sachez aussi que ScreenWeb... va avoir son propre maillot. Bon bah écoutez, en tout cas j'espère que les deux colis vous auront plu.
ça sera pas mon premier costume inspirant du cinéma. Je pense m'attaquer sur un prochain t-shirt sur Batman ou Le Parrain. On verra bien. Mais en tout cas, si j'ai des t-shirts et des masques de cette carrure-là prochainement, ça va vraiment être génial. En tout cas, moi, je vois que les minutes, elles défilent. Ça fait quand même assez long pour une unboxing. Donc, je vous laisse maintenant. N'oubliez pas, alors, le premier subscribe button, ici, pour moi. Ici, on clique ici, pour ma chaîne. Ensuite, pour Collectible Duel, on clique ici, pour accéder à la chaîne. Et pour la chaîne de Marc Alain, on clique ici. Sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Enfin, ou journée, ça dépend quand la vidéo sera publiée. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt sur cette chaîne ou Collectible Duel ou sur les vidéos de Marc Alain. Dans très très bientôt. Et bah écoutez, moi je pense que j'ai fait le tour et on se voit la prochaine fois. Ciao !